du Rwanda pour prier pour la conversion du monde, parce que à Kibeho au Rwanda en 1981, la Vierge Marie est apparue et nous a demandé de prier. Elle a averti tout le monde en nous demandant de prier parce que le monde va très très mal. Mais on n'a pas voulu suivre ses conseils et quelques années par après, il s'est produit l'horreur que tout le monde connaît, donc qui s'est passé au Rwanda. L'humanité est très malade et c'est surtout dans le cœur et dans l'esprit et dans foi dans le corps. On vient tous prier pour la paix et ça c'est formidable. Et plus l'attention de prier pour la guérison de l'humanité, c'est vraiment une belle attention. C'est peut-être pour cela aussi que je préfère travailler dans ce monde de pèlerinage plutôt que beaucoup moins avec du culturel où chacun avec son appareil photo est très individualiste, court de tous les côtés. Si le cœur de Dieu fait homme est transpercé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre l'homme et Dieu. L'époque où existait encore, hélas, des sacrifices humains. Je pense que Maranatha, c'est un petit peu comme si on mettait de la levure dans une pâte et cette levure va grandir. J'ai pensé à l'avenir de la planète, le respect de la vie humaine dans toutes les phases de son développement. La famille, la paix de la famille, la paix entre les peuples, la paix entre les religions, la bonne entente entre les diverses confessions chrétiennes et les autres religions. Mais nous sentons tous qu'il y a des enjeux si énormes que notre engagement, indispensable, pourtant ne suffira pas. Et qu'il faut une grâce d'en haut, parce que finalement, il n'y a que le Créateur du cœur humain qui est capable de toucher la profondeur du cœur humain.